Ah, je vous ai bien eu, hein, avec la flashbang. Comment ça, c'est de la triche? Bah, viens me le dire en face, oui. Bonsoir, c'est Ragboy. On se retrouve ce soir, après cette petite introduction, sur une vidéo de présentation des blindés. J'en ferai plusieurs, hein, des présentations comme ça. Je commençais par les blindés, après on verra les hélicoptères, les bateaux, les 4x4 si vous voulez, enfin des tas de choses comme ça. Donc je vais passer en revue tout ce matériel-là, la vitesse de pointe, le blindage, l'armement, la capacité d'emport, hein, parce qu'il y en a qui peuvent emporter plus qu'on pourrait le penser. Et c'est quand même impressionnant cette longueur de canon quand même, hein, dressée comme ça, presque à la verticale, ça me fait des frissons. Voilà, donc trêve de bêtises, on va commencer par les chars avec le fameux T-100. Le T-100 Varsuk, qui est donc un char de l'armée russe futuriste, puisque l'action se déroulera de la campagne en 2035. Donc ce char-là est équipé d'un gros canon, comme vous pouvez le voir, et ne peut contenir que trois personnes, c'est-à-dire le conducteur, avec ses petites, voilà, où, la petite ouverture, il sera là, le commandeur en haut, et le tireur qui s'occupera de l'arme principale, ainsi que de la mitrailleuse qui lui est adjointe. Pas de place à l'arrière comme le char américain, donc ne pas confondre, hein, si vous en prenez celui-là, il n'y a pas de place pour la piétaille ou pour transporter quoi que ce soit. À savoir qu'il y a une différence, c'est que chez les Russes, l'hélicoptère peut transporter des soldats, alors que l'hélicoptère américain ne le peut pas. Donc peut-être, voilà, vous voyez cette ambivalence entre les deux. Donc c'est très simple, vous allez dessus, voilà, il y a un volant, donc ça c'est pour aller directement au conducteur. Bon, voilà la vue, pas terrible, hein, on ne peut pas voir ni les manettes ni quoi que ce soit encore pour l'instant, je ne crois pas que ça changera. Le siège du gunner directement dans le canon, cette fois-ci on a un peu plus de visuel. Hein. Notez que voilà, le moteur se met en route dès que vous bougez la tourelle, ce qui est logique, il faut l'alimenter. Donc là, il y a des obus de base, je crois que c'est les perforants, là. Après, il est possible de mettre des hits. Voilà, avec la molette de la souris, vous pouvez changer le type de, comment ça s'appelle, de canon. De canon d'obus à mettre dedans. Voilà, là il va recharger. Voilà, il y a un petit décompte qui se fait. Je suis en élite, hein, ne vous inquiétez pas, hein, même s'il y a tout ça qui a comme interface, je suis en élite. J'ai retiré toutes les aides. Donc deux types d'obus. D'ailleurs, ça me fait penser que je crois que ça doit être donc le. Voilà, c'est le commandant qui a la mitrailleuse. Donc ce que je peux voir, c'est 450 balles à peu près. Et rien d'autre, et peut tirer aussi des smoke screens, c'est-à-dire que ça empêche le ciblage avec un javelin ou avec un titan, vu que c'est l'arme futuriste utilisée. Donc voilà, les trois places, le commandeur fait tout le tour sans problème, indépendamment du gunner qui lui va faire aussi le tour. Et vous voyez en haut, il y a en haut dans la petite, dans le petit cercle, il y a une sorte d'angle noir et un angle blanc. L'angle blanc, moi, c'est ce que je vise, et l'angle noir, c'est ce que le commandeur voit. Donc lui, il devra pallier au fait que vous tournez votre tourelle. Voilà, en même temps, hein, bien sûr, après le char avance, tout ça, il faut compenser tout ce qui va se passer sur le terrain. Là, je suis sur un terrain plat. Vous voyez que je prends juste la place d'une place de parking. Hein, il est très compact. Ah, je passe plus là. Oh, quoi qu'il dépasse un petit peu, mais bon. Disons que je pourrais aller faire mes courses au Monoprix avec. Petite précision avant de se lancer dans la course, il est toujours possible donc de sortir sa tête, hein, si vous le souhaitez, si on est dans un endroit très calme ou que, je ne sais pas, vous avez envie de vous faire tirer dans la tête. Vous appuyez, voilà, sur Turn Out, puis sur Enter pour confirmer. Et voilà, hop, je sors par l'écoutille ma petite tête et je peux tourner à droite et à gauche. Attention évidemment à ce que le tireur ne tourne pas trop vite son canon, ou je crois que même ne le tourne pas du tout, parce que sinon à ce moment-là vous êtes obligé de rentrer votre tête dedans. Il n'y a pas le choix, donc voilà. Et c'est pareil pour les autres. Donc là, je suis obligé de re-rentrer pour aller au siège de commandant pour pouvoir sortir ma tête. Pareil, voilà, hop, je suis sorti, j'ai le canon à côté de moi. Pareil pour le tireur, je suis obligé de re-rentrer. Voilà, driver, non, gunner.
J'ai passé le jeu en anglais, ça me permet d'être plus à l'aise dans le VTS. Voilà, et hop, j'ai sorti ma tête. Je crois que je ne peux plus faire feu. On va faire un essai, non, je ne peux plus du tout faire feu, il faut que je re-rentre dedans. C'est vraiment soit pour défiler devant Staline, je sais pas. Staline, Poutine, excusez-moi du lapsus révélateur. Ou sur le champ de Mars. Champ de Mars, les Champs-Élysées. Voilà, c'est tout simplement pour faire ça, sinon rien d'autre. Allez, en course maintenant. Alors, on dirait pas comme ça, mais là je suis à pleine bourre, hein, Shift enfoncé et Z aussi. Et voilà, je suis lancé 55 km/h, vitesse maximale, sans donner le moindre coup de volant ou quoi que ce soit. Non, non, l'axe du canon n'a aucune incidence là-dessus. Hein. On n'est pas dans un jeu qui simule les effets d'air. Et donc voilà, je suis en pleine bourre. Donc on se retrouve ici pour faire un test de tir dessus avec le PCML. Je me suis équipé, donc on va faire un tir sur le côté. Je me suis mis en difficulté vraiment recrue pour faire mes tests. Ah, boum! Donc un tir sur le côté, on va aller voir tout de suite quels sont les dommages. Et vous pouvez voir qu'il n'a pris aucun dommage. Vraiment résistant ce char, on va voir avec une autre quête, mais cette fois-ci tirée par l'arrière. Allez, cette fois-ci, j'envoie la purée dans le radiateur. Voilà, on va recharger et on va aller voir ça tout de suite. Je commence à me douter si j'ai pris la bonne arme. Peut-être que j'essaierai un titan la prochaine fois. Hop, on monte à l'intérieur. Ah, cette fois-ci, voilà, j'ai été beaucoup plus endommagé. L'une des chenilles à gauche, la coque et le moteur. Bah oui, le moteur m'a l'air complètement foutu. Je vais essayer de rouler. Oui, ça ne roule pas. Ce qu'il faut faire quand même très attention, c'est que le char reste mobile au niveau de sa tourelle, puisque vous voyez que l'icône TRRT et Gun sont toujours actifs. Donc méfiez-vous de lui. Il sera toujours faire savoir qu'il est toujours vivant et savoir se défendre même s'il ne peut plus bouger. Donc faites très attention. Et pour finir, on va faire un test de face cette fois. Hop. Boum. Alors là, cette fois-ci, est-il vraiment capoute ou pas? Rappo qui pouvait plus déjà avancer. Donc je ne sais pas. Là, j'aurais peut-être dû relever mon tir pour tirer dans la tourelle directement. Voilà, bah cette fois-ci la deuxième chenille est tombée. Donc bon, bah de toute façon comme il ne pouvait plus avancer puisque l'engin étant situé à l'arrière du char ne pouvait plus fonctionner. Donc bon, bah il est vraiment immobilisé et quelque peu endommagé. On peut voir des petits impacts sur la coque là, voilà. Et puis le logo CPC, comme vous pouvez voir, que j'apprécierais toujours autant. Voilà, on le voit un peu plus ici. Voilà, dernier test, je me suis armé du Titan et on va faire un tir de face. Voilà, il est à ciblage automatique. Alors, curieux, voilà, je maintiens le clic droit de la souris et boum. Voilà. Donc là, je pense qu'il a dû prendre un peu plus cher parce que c'est le Titan est similaire au Javelin, donc c'est des grosses grosses munitions. On va voir ça tout de suite. Eh ben non, contrairement à toute attente, c'est le gun qui a pris cher, j'ai l'impression, donc il peut toujours tirer et vous allumer, il n'y a pas de souci là-dessus. Et lui, par contre, à mon avis, il ne peut pas s'il peut encore tirer. Oui, il est pas rouge, hein, donc voilà, c'est vraiment un char très résistant. Hein, je vais pas vous faire la démonstration de tout le reste. Peut-être un char contre char pour voir ce que ça donne, mais on verra ça un peu plus tard, quoique peut-être tout de suite. Allez, on va essayer ça. Donc voilà, on va tester un peu l'armement face à son homologue, le M2A1 Slammer. Cette fois-ci, juste, je vais faire un petit truc que j'ai trouvé. Donc je vais tirer avec un hit dans son blindage frontal, voilà, et je vais recharger avec un deuxième. Contrairement à ce que j'avais pu voir, voilà, boum, il fallait au moins 3 hits, voire 4, et 3 APFSM1. Pour pouvoir l'exploser, et là bah, ça devait être un bug, ça se reproduit pas en fait. Normalement, au bout du deuxième, premier hit, puis après du AP FSFD, DS, pardon, ça explosait. Bah, là, c'est pas le cas, donc bon, je suis un peu surpris. Généralement, voilà, bah, ça commence à fumer, non?
Il va vous falloir en tout et pour tout un 3 ou 4 obus de toute façon pour exploser un char ennemi. Donc ce qui n'est pas forcément évident parce que vous allez bouger. Voilà, bon, ben, voilà, il vient d'exploser, il allait exploser, j'étais un peu pressé, pour venir à bout d'un char ennemi. Donc je pense que c'est pareil pour celui-là, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors c'est parti, on fait le test en frontal. Avec ce même type d'obus commun aux deux d'ailleurs, la PFSDS-T. On se croirait chez l'ophtalmo en train de réciter les lettres collées au mur. Je suis au deuxième obus. Troisième obus. Allez, recharge, pépère. Quatrième. Ah, c'est pas des chargeurs, je crois qu'ils allaient étudier à faire des chargeurs, mais là faut recharger à chaque fois. Bah, cinquième, il me semble. Hein. Résistant le pépère. Ah bah voilà, même pas, voilà. 5 obus, ouais, c'est quand même un peu plus résistant que l'M2 A1. Bon, enfin voilà, donc une petite information supplémentaire. Donc en résumé, ce T100 Varsuk est assez performant, je trouve. Enfin bon, 3 personnes en équipage, 55 km/h de vitesse moyenne, enfin vitesse maximale, pardon. Il faut au moins, combien on avait dit? 4-5. 4-5 obus APF. Bon, en fait, il y a APF, hein, on va pas s'emmerder. Il y en a 32 à l'intérieur et 16 en hit, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, moi, je l'aime bien, j'aime bien son profil très ramassé, très. Très très propre sur lui. Petite précision aussi, je voulais vous faire voir si vous souhaitez régler la distance de tir, appuyez sur page up et page down. Vous voyez qu'en haut je suis à 600, 800, 900, 1000 mètres, donc ça va permettre de régler la distance pour par rapport à la croix que vous avez. Vous pouvez aller sur plus ou moins du pavé numérique pour zoomer et ainsi donc bien tirer à une bonne distance. Là je pense que voilà, indication en dessous, je suis à 1140 mètres, donc là je mets 1100 en haut à droite, je vais tirer en hit, on va voir ce que ça donne. Bim boum, voilà, c'est tombé. J'ai peut-être pas affiché à cette distance là, donc on n'a pas vu l'explosion, mais voilà. Donc il me plaît bien ce char, on va aller voir le côté US. Voilà le M2A1 Slammer, donc un char type donc Blue Fort en fait, pas forcément américain en fait, puisque le jeu c'est Blue Fort quoi, hop fort, voilà. Et la particularité, c'est ceci, on peut venir par l'arrière et monter à l'arrière. Donc voilà, il y a 6 places très spartiates, hein, puisque les jambes sont recroquevillées, et la tourelle doit être ici, de l'autre côté. Ça s'inspire beaucoup d'un char israélien, il me semble. C'est un char israélien qui permet de monter à l'arrière comme ça. Donc foncièrement, on retrouve la même chose, hein, 16 obus en hit et à peu près 32 obus en A, P, F, S, D, S, je le saurai par cœur à la fin. Donc on va voir la vitesse de pointe. Ah bah voyons, là cette fois-ci on se traîne vraiment, la touche shift ne sert à rien, on va pas plus vite, donc bon bah un peu curieux. J'aime bien cette sortie de pot d'échappement sur le côté là, avec cette fumée qui est, et ses effets de chaleur, c'est vraiment sympa. Mais bon, foncièrement au design il est vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux qu'un Abraham actuel, là le M1. Donc bon, voilà, moi c'est pas trop mon style. Sinon foncièrement c'est la même chose, hein, même type d'obus, même explosion, même nombre d'obus, ils sont vraiment identiques à part la vitesse maximale et la capacité d'emport. C'est vraiment les deux points différents qu'on peut avoir entre l'op fort et le blue fort. Donc petit test avec son homologue, donc je suis dans le T100 et je vais tirer sur le M1A2 Slammer. Donc premier obus en APF Modus, ouais, enfin voilà, vous m'avez compris, hein, c'est cela. Donc deuxième obus. Ah bah d'accord, bon bah déjà deux obus et il est au tapis. Tout à l'heure j'ai fait un test, au bout du troisième obus il était au tapis. Vraiment, vraiment, il me déçoit quand même, je trouve qu'il est vraiment inférieur. Bon, enfin voilà. Dernier test avec un AT Titan. On va voir ce qu'il donne. Ah. C'est parti. Boum. Est-ce qu'il en faut un deuxième de face? On va voir. Ah, peut-être même plus. Alors finalement.
Et il paraît un peu plus résistant en tout cas pour l'infanterie. On va voir ça avec un troisième obus. Enfin, un troisième obus. Troisième roquette ou missile téléguidé. Alors, ici, il cible pas là. C'est très curieux ça. Bon, je vais tirer en manuel. Hein. Voilà, le troisième. Je pense que voilà, bah voilà, 3 athées et il est au tapis. Donc voilà, blindage vraiment inférieur. Hein, Donc en vraiment. résumé, ceux de ce face-à-face entre le T100 et le M2A1, bon, capacité d'emport d'obus identique, résistance vraiment différente. Je dirais que le T100 a vraiment une plus grosse résistance aux obus, aux athées et tout ça. Vitesse de pointe, bah, le T100, hein, 55 km/h, l'autre 44. La seule différence qu'il y a, effectivement, que n'a pas le T100, c'est qu'il peut emporter 6 personnels à pied, enfin infanterie, je veux dire, ou autre, ce qui peut-être finalement lui permettrait d'avoir une puissance de feu supérieure une fois déployé. Mais bon, dans le feu de l'action, personnellement, je vois pas comment ils peuvent se déployer, pouvoir tirer sur un autre char, surtout qu'une fois que sorti sur un champ de bataille, un fantassin, ça a la peau fragile. Hein. Et puis même de profil, je préfère encore le T100, ouais, bien ramassé et tout ça. Voilà, ma préférence, vous l'aurez compris, c'est le T100. Voilà, bah, je vous laisse avec ces belles images. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Ciao, à plus!